Chacun d'entre nous a un jour fait le même rêve, celui de devenir l'homme le plus fort du monde. Ce rêve est l'objectif de tout grappleur, car le grappleur vit pour combattre. Ah oui, putain, j'ai dit ce qu'il me voit avec elle. Eddy, le rêve. Eddy, ça va? Ouais, tu l'es. honnête. Je passe la main au niveau du pied, je lève. Je suis du corps, ici, je lève. Ça crée un espace. Je vais rentrer droit, ma tête, je vais la rentrer ici. Et je vais rentrer au droit, je ne vais pas rentrer à droite. Je fais un step en même temps. Alors il y a deux écoles. Jambes serrées, jambes écartées. Il n'y en a pas une mieux que l'autre, c'est à vous de voir. D'accord? La suite, je vais l'amener de ce côté-là. On sait que quand on est en single leg, il ne faut pas mettre la tête à l'extérieur. C'est une idiotine. Donc au moment où je vais la passer vite à l'extérieur, c'est tout de suite pour l'amener au sol. Là. Je passe, mais je ne peux pas rester 20 ans comme ça. Avec mon épaule, je vais mettre la couche dans sa cuisse. Et je vais faire un as de serre, haut vers le bas, diagonale, d'accord? Et mes jambes automatiquement aussi. D'accord, je recommence. Alors je monte la vitesse réelle et après normal. Donc, tout ce que là tout le monde sait faire. Je fais un step, je rentre de droit, j'attrape. C'est là en général ça bug. Je mets la tête à l'extérieur et je peux le faire qu'avec l'épaule à l'intérieur. Je ne peux pas le faire avec l'épaule là. C'est forcément avec l'épaule à l'intérieur. Ok? C'est bon pour tout le monde? 1, 2, 3. Ok, bon bah là on est au KFBC à Clichy, la Garenne, dans le 92, pour un entraînement de lutte à livrer dirigé par Samy Guendouze, étant donné que j'ai un bras dans la pelle. Voilà, on est sur une phase technique qui s'adapte aussi bien aux débutants qu'aux intermédiaires, aux plus avancés. Et voilà, bah, je vous laisse découvrir le club à travers cette vidéo représentative. On va rester sur le thème de la demi-garde. Comme Mehdi il aime bien dire, il y a deux gardes que vous avez toujours pour prouver quel que soit le type de l'adversaire. La demi-garde et la garde tortue, c'est-à-dire que vous êtes à 4 pattes. Peu importe votre style, vous devez savoir travailler depuis la demi-garde en dessous ou au-dessus, et depuis la tortue en dessous et au-dessus. Dans la nuit, on va voir la suite, la tortue, d'accord? Là, on va voir la demi-garde au-dessus. J'ai pas réussi à sortir le genou. Moi, j'arrive pas, vraiment pas. D'accord? Première chose que je vais faire, je vais contrôler ici. Attention, hein, ça va pas immobiliser, hein, mais ça va permettre de se soumettre, de contrôler plus ou moins. D'accord? Ma jambe qui est ici, elle va coller sa jambe. Je loue jusqu'à la hanche. Excusez-moi. Je loue jusqu'au pied. C'est lié. On va coller cette ligne. D'accord? Je répète. Ici, ici, ça fait une ligne. Ici, ici, ça fait une ligne. C'est une ligne qui va coller la ligne. Moi, c'est comme ça que j'ai retenu au début. Si ça ne vous aide pas à retenir, oubliez cette métaphore. Je suis ici. D'accord? Sauf que là, je ne vais pas rester 20 ans en fait. Parce que là, je peux quand même le soulever, il y a sa jambe qui est au-dessus. C'est quand même assez dangereux pour moi. Donc là, une fois que je suis là, je colle. J'avance en avant. Et quand je vais avancer en avant, mon avant-bras va pousser sa tête. Mais le plus important, c'est que ma jambe à l'intérieur va faire un grand pas. Là, je suis stable. Là, je suis vraiment stable. Et mon avant-bras, le fait que ça pousse sa tête, ça me gêne. D'accord? Je prends un contrôle de ma tête. On commence à connaître. Ça, je pense que tout le monde sait bon. Je joue en une main. Et là, très important, je vais croiser derrière. Je vais attraper sa jambe. Ok? Et vous avez vu où il est mon corps? Mon corps, cette fois, il n'est pas salu. Je ne suis pas devant lui ou à l'extérieur. Comme pour l'autre passage. Maintenant, ici, une fois que je tourne ma tête, là je peux lâcher. Si on tourne, on peut mettre la main à l'aisselle ici. attraper cette jambe. Et là, vous avez vu la langouste qu'on fait en début de coup. C'est une petite langouste et je rentre ma jambe ici. C'est un peu plus technique, mais je passerai dans les rangs, d'accord? Et là, c'est difficile de nous fermer déjà. C'est de fermer une délicate. C'est un peu plus compliqué. Et si vous pouvez arriver à fermer une presse, le fait que cette jambe en barrage, c'est facile à passer. D'accord? Les anciens, retenez bien, l'épaule, il faut qu'elle dépasse 90 pour contrôler. Les débutants, c'est pas. Les anciens, retenez bien. Okay. Donc, plus l'épaule dépasse 90 degrés, plus ça va être compliqué pour lui de se déplacer. Et ça lui met le plus au niveau de l'épaule. D'accord? Ensuite, la main ici, la main au niveau de la hanche. D'accord? Et je le fais en sentiment. Les débutants, si déjà vous arrivez à faire toutes les étapes d'avant et venir en sous-kilo, c'est très bien. Je vous montre la vitesse normale. C'est dur à... Grandma died a long time ago. Oh, I see. I'm very sorry to hear that. Hey, I've got a great idea. Why don't you come to stay with me on my island and I'll train you personally? It would be a great honor to have the same teacher my grandma had. Round one, fight! Round two, fight! Down, 3, fight! Round 4, fight! Five! Fight! Round, pick, fight. gars, merci pour le coup. Bon, les deux, KFBC, c'est comme ça, au début, on commence à 15, puis à 20 ans. Sur un mur, ça va faire un mur. Ouais, s'il vous plaît, par contre, les heures, c'est important. Eh, s'il vous plaît, les gars, vous pouvez les faire. T'as vu comment j'ai eu? Ouais, t'as. Et clairement, un effort sur l'heure, les gars, s'il vous plaît. Il a raison, c'est le coup. Sinon, les gars, c'est bien. Les débutants, vous êtes motivés, les anciens, vous êtes toujours là. Max, ça fait plaisir de te revoir. Ouais. Si tu ne connais pas Max, c'est un ancien du club, il nous a beaucoup aidé. La blague de l'année, c'est la première blague que nous a donnée. D'accord. Il voulait juste voir ce que ça faisait de la blague. Ouais.